Les supporters sont de retour en masse au Parc des Princes, tout comme les VIP. Samedi 14 août 2021, le PSG affrontait Strasbourg à domicile et la soirée annoncée comme exceptionnelle, voire historique, a tenu toutes ses promesses. Un événement qui a attiré plus de 49 000 personnes. La capacité du Parc des Princes, parmi lesquelles classe égale à HRL Benjamin Castaldi. L'animateur de 51 ans n'a pas vécu ce grand moment seul mais accompagné d'un membre de sa famille. Le chroniqueur vedette de Touche pas à mon poste, C8, qui fera sa grande rentrée avec l'ensemble de l'équipe de Cyril Hanouna dans 2 semaines, a été photographié dans les tribunes avec une ravissante jeune femme qui n'était autre que sa belle-fille Louise, l'une des 2 filles de sa femme Aurore. Avant de fonder une famille avec Benjamin Castaldi et accueillir l'adorable petite Gabrielle, Aurore Allemand a eu 2 filles lors d'une précédente union, Jade et Louise, donc. L'animateur a lui-même eu 3 autres enfants avant de rencontrer celle qui le comble de bonheur et qu'il a épousée il a bientôt 5 ans dans le sud de la France. Ils se sont mariés le 27 août 2016. Benjamin Castaldi est le papa de Julien, Simon, né de sa première union avec Valérie Sapienza, et Enzo, fruit de son ancien mariage avec Flavie Flamand. Mais c'est avec sa belle-fille Louise qu'il a découvert pour la toute première fois Lionel Messi sur la pelouse du Parc des Princes, pour sa présentation officielle. Élégant en chemise blanche et veste noire, lunettes de soleil sur le nez, indispensable en une si belle journée d'été. Benjamin Castaldi n'a pas caché son plaisir de voir la star argentine de 34 ans. Les frissons étaient au rendez-vous pour sa présentation officielle. La star du PAF et sa belle-fille ont également vu Kylian Mbappé se faire huer à plusieurs reprises. Les supporters parisiens lui reprochant son incertitude quant à la suite de son aventure avec le PSG. Le mercato court jusqu'au 31 août prochain et tout est alors possible. Rentrée des Jeux Olympiques de Tokyo il y a quelques jours, avec 2 médailles dans ses valises, l'une de bronze remportée en individuel et l'autre en or grâce à l'épreuve par équipe, Teddy Riner est venu soutenir la grande famille PSG à laquelle il appartient également. Le judoka de 32 ans, en mode détente, était accompagné de la femme de sa vie, la mère de ses 2 enfants, Lutna Ploku. Le couple a apprécié cette soirée à sa juste valeur. Tout comme le tennisman suisse Stanislas Wawrinka qui était en charmante compagnie. Bien qu'évincé du Canal Football Club et de Canal+, Pierre Ménet reste un passionné de ballon rond. Il se trouvait lui aussi dans les tribunes du Parc des Princes. La soirée s'est conclue de la plus belle des façons pour le PSG avec une victoire 4-2 et un but de Kylian Mbappé. De quoi faire taire, peut-être, les mauvaises langues.